En cette période de vacances, prenons un grand bol d'air avec le woofing, une formule de vacances qui se pratique dans le monde entier. Vous êtes nourri, logé gratuitement contre de petites tâches au sein d'une exploitation agricole. Et ce concept débarque dans le Cher à Ardennais. Notre équipe a testé pour vous Céline Durchon et Merak Mofissia. Allez la fille! C'est devenu leur habitude le matin, la balade avec les chèvres. Lucie et Tina sont des woofeuses. Elles donnent de leur temps pour travailler à la ferme et en échange, elles sont nourries et logées. Nous sommes en Allemagne, alors nous voulons voir plus de la France et prendre plus de français parce que nous ne parlons pas de français très bien. Apprendre la langue française, mais aussi les rudiments de l'agriculture biologique avec Anne, qui les accueille pendant 10 jours dans sa ferme pour faire découvrir son activité. Elle s'est lancée il y a 10 ans dans l'aventure et pour elle, le woofing, c'est avant tout une expérience de vie. Essaye sur Irine. D'accord. Voilà. Comme ça ? Bravo ! Super. J'ai trouvé que c'était une façon de voyager aussi. Et voilà, et d'accueillir, j'aime beaucoup recevoir. De la traite des chèvres à la préparation et la vente du fromage, Lucie et Tina sont en immersion totale. Une manière pour elles de passer des vacances utiles. Je veux vivre avec les personnes françaises et, parce que je pense que c'est un pays très joli et j'aime bien la langue. Donc c'est très difficile de parler en français. Après leur séjour dans cette ferme, elles comptent rester encore 6 mois en France et renouveler l'expérience auprès d'autres agriculteurs.